Alors, maintenant que tu as entendu mon histoire, on va voir si tu as bien écouté. On va faire un petit quiz. Je vais te poser les tables et toi, tu vas essayer de trouver le résultat. Alors, 6 fois 2, est-ce que tu te souviens, Madame 2, qu'est-ce qu'elle gardait? Elle gardait les vaches. Oui, donc 6 fois 2 égale 12, 12. Alors, le quiz, si tu as le livre, tu vas pouvoir le retrouver à la fin. Et 6 fois 4, 6 fois 4 égale 24 cartes. Ah oui, c'est Madame 4, elle aime bien jouer aux cartes. 6 fois 1, facile, 6, 6. 6 fois 7, 6 fois 7 égale 42, émeut. Regarde, c'est là. 6 fois 3, 6 fois 3 égale 18, huître. 6 fois 9, 6 fois 9 égale 54 pancartes. 6 fois 5, c'est quand Monsieur 5 est tombé dans la pente, voilà. 6 fois 5 égale 30 pentes. Et 6 fois 6, 6 fois 6 égale 36 saucisses. Et 6 fois 8, est-ce que tu te souviens? Madame 8, elle a préparé des carottes et des frites. Donc ça fait 48. Bon, c'est bien, tu as bien écouté. Alors, si tu as fait quelques erreurs au quiz, n'hésite pas à réécouter mon histoire plusieurs fois. Et surtout, avant de t'endormir le soir. Et puis tu réessayeras le quiz demain, par exemple. Je suis sûre que tu vas retenir les résultats au fur et à mesure. Et puis à la fin, si tu as le livre, tu vas pouvoir photocopier cette page et la page suivante sur du papier cartonné, découper les cartes pour pouvoir jouer à un memory. Il faudra retrouver donc la table et le résultat qui est imagé juste derrière. Regarde, voilà, tu as tous les résultats avec les images pour bien t'aider à retenir. Voilà, je suis sûre que tout cela va t'aider et tu vas passer un bon moment en compagnie de Madame 6. Et n'hésite pas à acheter le livre sur Amazon. À bientôt !